Salut tout le monde, on se retrouve pour la quatrième et dernière partie du show spécial Over 1000. Et premier match de cette quatrième partie et donc dixième match de ce show. Randy Orton versus John Cena, le premier des deux compétiteurs s'avance sur le ring. From St. Louis, Missouri, je ne connais pas son poids, Randy Orton. Oh pardon, j'ai oublié de dire The Viper. Bon, alors comme je le fais pour tous les matchs, d'ailleurs je crois que j'ai oublié de le faire pour le dernier match de la partie précédente, pensé à la partie 3, je vais faire un petit rappel sur les votes qui concernaient ce match. Donc, dans ce match, donc, Randy Orton contre John Cena, deux anciens rivaux, ma foi, deux anciens très grands rivaux, ça donnait des rivalités vraiment très intéressantes et des matchs vraiment passionnants. J'ai donc demandé par ce vote quelle stipulation vous souhaitiez voir. Il y avait donc la stipulation qui a été choisie, le 2 out of 3 falls extreme rules, qui a reçu donc 47% des voix. Très près derrière, le fameux I quit avec 44% des voix. Si on regarde, ça fait que 4 votes d'écart, donc ça s'est joué à pas grand chose. Et à la traîne derrière avec 9% des voix, la stipulation Last Man Standing. Donc c'est le 2 out of 3 falls Extreme Rules qui l'a emporté, soit donc un Extreme Rules avec eh bien, 2 tombées ou 2 soumissions à faire pour remporter le match. Pas de décompte à l'extérieur, pas de disqualification, puisque c'est un match Extreme Rules, ça paraît logique. Et aussi, les False Count Anywhere sont activés. Voilà, je l'avais dit avant ce show que tous les matchs, toutes les stipulations Extreme Rules qui étaient proposées étaient avec False Count Anywhere. Donc, le deuxième match de cette quatrième et dernière partie sera un fabuleux TLC entre Big Show, Sheamus, Dolph Ziggler et Alberto Del Rio. Et le dernier match du show opposera CM Punk et Ryback dans un Hell in a Cell. Mais pour l'instant, nous avons ce match. John Cena, Randy Orton, John Cena sur le ring de Over 1000, 2 out of 3 Extreme, 2 out of 3 Falls Extreme Rules. Dommage. Alors, qui vais-je interpréter? Enfin, interpréter. Avec qui vais-je jouer? Allez, Randy Orton. Il y a sans doute plus de gens qui aiment Randy Orton que de gens qui aiment John Cena, puisque John Cena est assez controversé. Il y a pas mal de gens qui l'aiment, mais il y a aussi pas mal de gens qui ne l'aiment pas. Bon, c'est peut-être aussi le cas pour Randy Orton, mais c'est peut-être un peu moins prononcé. Il y a peut-être plus de gens qui l'aiment que de gens qui ne l'aiment pas. Enfin bref, toujours est-il que... voilà, match Randy Orton John Cena, c'est pas facile de choisir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de difficultés à choisir puisque j'adore les deux. Franchement, ces deux-là, j'adore. J'aurais peut-être une petite préférence pour... je sais pas, en fait. Je commence la phrase. Peut-être que je préfère un petit peu... non, je sais pas, en fait. Bon, c'est pas grave. Allez, le 2 out of 3 falls Extreme Rules. Donc, évidemment, il faudra faire souffrir notre adversaire, et il va souffrir, et John Cena l'a bien compris, il a écouté ce que j'ai dit, et j'ai pas pu contrer ce coup d'escalier. Attention, on va s'échapper, non, attention, il nous a tapé la jambe, et oh, lâche ces escaliers John Cena, Monsieur Cena, je t'avais prévenu. Boum, le coup d'escalier de Randy Orton sur John Cena. Cena sucks, Cena sucks. Allez, une petite provoque là. Là, je t'ai provoqué, hein. T'es énervé. Oh, t'es énervé. Oh, je sais que t'es énervé. La souplesse. À côté de l'escalier, magnifique fail. Bon, c'est un petit fail. Alors ça, c'est vraiment décevant. Purée. Direct la table cassée par une pauvre petite prise toute bête. C'est dommage. On va faire ça, c'est pas grave. Bon, il y a d'autres tables sous le ring et on va pas se priver pour les utiliser. Oh, attention John, tu as failli commettre une énorme erreur. Si je t'avais chopé, j'aurais pu te coller ce fameux DDT pendant que tes pieds reposaient sur la deuxième corde. Attention, Monsieur Cena qui va faire un petit voyage dans la foule. T'adores tes fans. Eh bien, passe un petit peu de temps avec eux. Alors qu'une fan, je crois, oui c'est une fan, nous
tend une béquille et on s'en saisit. Elle est toute contente d'ailleurs. Randy Orton a pris la béquille. Ouah. Attention, Cena qui reprend la béquille et qui se plante royalement. Je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai bon catcheur, moi, Cena. Attention, Cena qui contre pour prendre l'avantage. Et ça va être un coup de coude derrière le crâne. Eh ouais, pour faire souffrir, il n'y a pas mieux. Attention, je te fais revenir. Et la manchette European Uppercut. Manchette portée européenne. Ouais, vive l'Europe, youhou. Attention, attention, on esquive la béquille. Et on prend le soda. Et on se prend la béquille quand même. Attention, les coups de béquille. Oh, Cena a l'air d'aimer beaucoup les coups avec les objets. Ah, non. Il contre. Attention, Cena qui se jette sur nous. On lui prend la béquille et on se jette sur Cena. Et boum. Ah, t'aimes les coups. Et bah, t'aimes les donner. Et bah, cette fois, tu en prends. Allez, never give up. Hein. Sois fidèle à ta réputation. C'est la ceinture que je voulais prendre. Non, c'est la ceinture que je veux prendre. Et voilà, je me fais asperger. Bon, c'est rafraîchissant. Il y a un match difficile qui nous attend. Il a déjà commencé. Alors attention, pas de corde d'un ange dans le vide. On s'appelle Randy Orton. Il va falloir veiller à pas faire des boulettes comme ça. Hein. Attention, Cena qui nous attaque le coup de tête. Oh, déjà tentative de tomber. Ridicule. Ridicule. Depuis quand John Cena se passe la main dans les cheveux? Surtout avec des cheveux d'une longueur comme ça. Allez, je te cogne le crâne contre le poteau. Moi, je suis comme ça. La vipère, quoi. Wesh. Allez, on va faire rentrer plus d'objets dans le match. Histoire de le rendre un peu plus intéressant. Enfin, encore plus intéressant parce qu'il est déjà grandement. La stipulation est formidable. Les compétiteurs sont formidables. Le commentateur, le présentateur, le joueur est aussi formidable. C'était la minute narcissique. Allez, plus sérieusement, on se reconcentre sur le match. On va faire quelques petites prises quand même. Alors, si John Cena se laisse faire, évidemment. Atomic Drop. Enfin, John Cena se laissait faire. C'est évidemment mal le connaître. Mais bon, je me comprends. Et puis, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je voulais dire par là, si on arrive à surprendre John Cena. Oh, attention. La lutte pour prendre le contrôle. Attention, Randy Orton, non. La souplesse ne partira pas. Allez, on a le bras de John Cena. Oh, gros coup de poing là. Sur la tête. On attrape les jambes. Hop, le petit coup de pied là, au niveau de l'abdomen. On repousse. Et la corde à linge. Ah, je l'ai fait partir trop tôt. Il y avait un bon élan en plus. On est parti de loin. Drop the hold de Cena sur Randy Orton. Je garde le finisher pour plus tard. Attention, Cena qui nous amène vers la table. Non. Oh, attention, Cena qui nous a mis sur la table. Hop là. T'as vu, je t'ai esquivé. Moi, je suis comme ça. Oh, le Luther Express. Il le relève. Il va tenter sa chance avec la table. Enfin, il va tenter sa chance. Je le comprends, quoi. Il va tenter d'utiliser la table pour nous faire mal. C'est pas comme avec une femme, quoi. Tenter sa chance, quoi. Ou attention, le fall away slam. Non, c'est un backbreaker. Je sais pas pourquoi. Il n'y avait pas d'élément qui pouvait indiquer que c'était un backbreaker plutôt qu'un fall away slam, mais je l'ai senti. En tout cas, le backbreaker est un petit peu moins impressionnant. Mais bon, quand même. Ça fait mal. Eh ouais, j'étais encore surpris, hein, mec. La corde à linge, je me retourne. Et attention, l'attaque avec le genou. Bam. Sur la tête, quoi. Moi, je suis comme ça. Attention, je voulais attaquer la tête encore. Mais ça n'a pas fonctionné. Il ne se laisse pas faire, hein, le Cena. Ce serait évidemment très mal le connaître. Monsieur vainqueur du Royal... Ah, pardon. Poussière. Mais quand comprendras-tu que ça ne marche pas, Cena? Il s'obstine. Comme Steve. Steve s'obstine. Je l'avais déjà fait une fois. Ouais. Elle était un peu bancale, celle-là, je dois l'avouer. Hein. Attention. Encore avec les genoux. J'allais dire un truc.
Oui, John Cena, monsieur vainqueur du Royal Rumble 2013. Celui qui va aller directement à WrestleMania. J'ai hâte de voir qui il va affronter. Fin de la parenthèse. Attention, Cena qui se jette dans les cordes, histoire d'impressionner un petit peu. Attention, il va tenter une pose de soumission que je contre. Eh ouais, mec, moi je suis comme ça. Corde à linge et non, attrapé par le bras. Attention, Cena va tenter un truc. En effet, il tente une souplesse, mais on contre par un neckbreaker. Ah, il a pris en courant qui n'aura pas fonctionné une fois de plus. Attention, Cena. Oh, je t'attrape et... Ah, je voulais l'emmener dans le coin. Attention, Cena. Encore un drop to hold. Attention, il a un coup spécial. Attention. Est-ce qu'il n'obtienne pas de finisher? Bah, fatalement, il va en obtenir un. Fatalement. T'es sonné. Attention, le DDT. Et voilà, nous avons du sang dans ce match. Oh. Chut, écoutons. Oh, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai entendu quelques « Let's go, Cena, Cena sucks !» Ah, ces fameux chants. J'aimerais qu'ils soient un tout petit peu plus forts. Ou alors peut-être est-ce parce que je n'ai pas le son trop fort dans mon casque. Parce qu'en général, si j'ai trop de son dans mon casque, ça m'empêche... Enfin, ça me déconcentre pour parler, donc j'aime bien m'entendre. Alors, attention, on va placer la table un peu mieux. Bon, allez, ça fera l'affaire. Allez, Cena est dans le coin. J'espère juste que la table n'est pas trop loin. Attention, la superplex. Ou le superplex, selon les préférences. Superplex à côté de la table. Bon, bah c'est pas grave, on va tenter notre chance de l'autre côté. Ah là là, petit fail encore. Non, mais... Oh, ça fait mal quand même. Là, Cena qui s'est pris la table dans le ventre. Attention, projection dans le coin. In the corner. Oh, le coup d'épaule. Et Cena a réussi à replier la table en reculant. Très fort. Corde à linge, tu l'as pas vu venir celle-là. Attends, tu vas voir moi ce que je vais te faire. Backbreaker. Trop la classe. Je kiffe ce backbreaker. J'aime pas le mot kiffer, mais cette fois je l'utilise. Allez, on attrape Cena, on va l'amener dans le coin. Et cette fois, la table est très bien placée. Il n'y a absolument aucun problème. Attention, ne me contre pas sur ce coup-là. Il risquerait de le payer très cher. Attention, angle de caméra. Attention, caméra. Fais pas la maline. Hop là. Ouh, que ça a fait mal. Ça a fait bobo. Boum. Vas-y. On va faire un petit truc. Ah, je voulais faire le... Attention. Oh, le dropkick de Cena dans ma face, quoi. Oh, attention, il va tenter le double A, le attitude adjustment. Oh, attention, John Cena qui se fait contrer. Et Randy Orton qui le retourne et le RKO. Et on a cassé la table au passage. Oh, yeah. You like that, hein? 3, the first pinfall, 1-0, oh, et on enchaîne directement avec le arm drag de Cena, la revanche, attention, le coup d'épaule, le deuxième coup d'épaule, oh, et le choke powerbomb, j'aime bien cet enchaînement, on le voit souvent, attention, le tomber directement, oh, c'est audacieux, le dégagement, attention, Cena qui a un coup spécial, il pourrait tenter de nouveau, de sortir le attitude adjustment. Attention, on se jette encore les genoux pour faire mal. Et Randy Orton qui sort du ring pour aller chercher d'autres objets pour faire mal. Le bâton de kendo, the candlestick, la guitare. Hein, tu connais pas trop la guitare, John, hein, toi qui es rappeur, hein. Oh. Ah non, je voulais prendre... Vas-y, prends donc ton gobelet. Tranquillement. Moi, je prends le Sledgehammer.
que j'appelle masse. Bon, après, c'est selon les préférences encore. Est-ce qu'on peut... Ouais, tout à fait! Passe-moi ça! Oh, joli, magnifique! Oh, magnifique! Oh là là! On la provoque! Wow! Randy est dans la place! Trop la méga classe, trop cool, wesh, t'as vu? Allez! On se rapproche du public! C'est niveau légende, hein, je précise. Oh my god! À travers le mur de sécurité, à travers la barrière. Oh, je verrais bien un petit RKO sur une chaise là pour terminer le match. Sauf que là, ils sont un peu plus compliqués les RKO parce que. Ouais. Alors, je fais quoi? Attention, Cena se relève. Oh, dommage, j'aurais pu faire une prise adversaire sonnée. Quel dommage. Oh, attention! Oh, attention! Oh, attention! John Cena, double attitude. Ah, pardon, attitude adjustment. Oh, yeah! La tentative de tomber. Oui, exactement, la tentative de tomber. Attention, le 1, le 2, et le dégagement de Randy Orton. Oh, attention, tu crois que je suis qui, moi? Je suis Randy Orton, quoi. Attends quoi. Attends, tu fais ton malin. Tu fais ton malin. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ils ont mis ça en coup spécial? Neckbreaker. Mais je comprends pas pourquoi ils ont mis ça en coup spécial. Je ne comprends pas. Ich verstehe nicht. Hop, attention. Hop, attention. Non, attention. Oh, la guitare a volé un petit peu là. La descente du coude. Attention, Cena va reprendre du poil de la bête. Il nous a quand même collé un petit double A. Attention, le back suplex. Coucou, tu l'as pas vu venir celui-là? Ah bah oui, j'ai qu'à utiliser celui-là. Attention, on va être méchant. On va être méchant avec Monsieur Cena. On va être méchant. La tête coincée dans la chaise et... Voilà, t'as vu quoi? Attention, attention Monsieur Cena. On va pas trop pousser la guitare. Attention. Viens, attends. Ah si, vas-y, amène-toi là. Amène-toi là. Amène-toi là. Attention, attention. On est bon là. On est bon là. On est bon là. Le RKO sur la guitare, quoi. Ouais, elle est pas cassée, mais ça a touché quand même. Et 3. 2-0. Je t'ai atomisé. John Cena totalement archéoïsé. Ouais. Here's your winner, the Viper, Randy Orton. Yep, premier match de cette quatrième et dernière partie de Over 1000. Et je regardais un petit peu les angles de caméra, puisque les angles de caméra sont intéressants pour une chose, c'est pour les résumés, car oui, je pense faire des résumés des matchs, comme j'avais fait un petit peu, vous savez, sur quelques matchs sur WWE 12. Donc je pense faire les résumés des matchs de Over 1000, des 12 matchs. Il faut que je prenne le temps de le faire, mais vous savez donc avec mes études, bon, c'est... pas toujours simple hein, d'avoir le temps de faire ce genre de montage qui finalement demande du temps puisqu'on doit sélectionner les moments. Bon, les montages sont un petit peu plus longs que des montages de vidéos classiques, hein, j'ai envie de dire. La vidéo où tu parles pendant tout le long et puis après hop, tu coupes juste pour choisir le début, la fin et puis voilà quoi. Mais en tout cas, je pense justement choisir ça. Et puis avec par exemple Randy Orton qui avait mis Cena sur la barrière, qui était monté sur la barrière avec le gobelet, qui avait bu, qui avait craché l'eau. Ça c'est magnifique pour un résumé. Ça c'est une image forte, puissante. Donc effectivement, je pense faire ça pour ces matchs. Donc de Over 1000, des petits résumés. Puisqu'on parle de matchs, alors les matchs qu'on m'a demandé, vous avez certainement remarqué que j'ai arrêté. Alors peut-être que je vais reprendre, mais comme en général j'ai beaucoup plus de demandes, enfin que les demandes vont beaucoup plus vite que je ne peux faire les matchs, je vais peut-être organiser les choses différemment, c'est-à-dire organiser un petit système de vote. Bon après, faut que je réfléchisse encore un petit peu comment je vais m'organiser. Mais je vous tiens évidemment au courant. Prochain match, et ce match-là, Oh quel match! Un Fatal 4-Way entre... Attendez, l'image est là, puisque je le vote sous les yeux quand même.
Le Fatal 4-Way entre Big Show qui s'avance actuellement vers le ring, Sheamus, Dolph Ziggler et Alberto Del Rio. J'avais proposé trois stipulations pour ce match, TLC, Steel Cage ou Tables. Et vous avez choisi la stipulation TLC, Tables, Ladders and Chairs. Il faudra aller chercher la mallette au sommet de l'échelle. Donc cette stipulation a reçu 58% des votes, 58, j'articule bien moi monsieur, contre 26% pour la stipulation Steel Cage et 17% pour la stipulation du match de table. Et maintenant, s'avançant vers le ring, on peut en être fier puisqu'il est européen, il est irlandais après tout. Vive les Européens, ouais! The Celtic Warrior, the Great White, the former World Heavyweight Champion, Sheamus. Wow. Voilà, bah, j'ai fini mon intro quoi. Maintenant je vais me taire jusqu'à ce que le prochain arrive. Voilà. Que dire de plus? Si ce n'est me dire, oulala, mais qui vais-je contrôler pendant ce match? Sheamus que nous allons donc voir pour la dernière fois. Que nous allons contrôler pour la dernière fois dans le mode univers, qui est une autre série sur WW13 que je fais. Nous allons le voir pour la dernière fois dans l'épisode 25, qui sera donc le show Capital Punishment. Donc à l'heure où je vous parle, je ne l'ai pas encore enregistré. Et puis je ne sais pas vraiment dans quel ordre je vais publier les vidéos. Bref, l'entrée super classe de Mr. Show Off, Mr. Money in the Bank, Dolph Ziggler. Celui qui a bien profité du pouvoir de Vicky Guerrero pour finalement la laisser tomber pour la ravissante AJ. La folle. Faut pas le dire qu'elle est folle. Sinon on va mal le prendre. Je suis pas folle. Et Dolph qui va la défendre. AJ n'est pas folle. Elle est intelligente, elle a compris que j'étais l'homme le plus beau, le plus fort, le plus doué, l'homme qui avait le plus d'avenir dans la WWE. Ah, la modestie, quelle vertu incroyable. Et le dernier compétiteur va s'avancer vers le ring. Et non des moindres, puisqu'il s'agit de l'actuel champion du monde poids lourd. Celui qui a battu le Big Show dans un Last Man Standing match. Celui qui l'a battu encore dans un Last Man Standing match au Royal Rumble. Mesdames et messieurs, Alberto Del Rio. Ma voix étant aussi gracieuse que celle de Ricardo Rodriguez. Enfin, en tout cas, quand je présente Alberto Del Rio, sinon je trouve que j'ai une voix plutôt sympa. Enfin, parce que c'est vrai que après, tu vis toute ta vie avec ta voix et puis t'en as honte, quoi. Que tu parles plus et puis c'est terrible quoi. Terrible, vraiment terrible. Alors, qui vais-je choisir? Le choix est rude, très très rude. Vais-je choisir l'ancien champion du monde, monsieur Sheamus? Oui, j'ai dit l'ancien champion du monde parce que... non, c'est Big Show en fait, l'ancien champion du monde, mais celui qui était avant Big Show, c'était Sheamus. Enfin, c'est un ancien champion du monde. Il va falloir faire le choix et faire le choix maintenant. Et moi, je vais crier Destiny. Je le contrôle pas souvent, Alberto. Surtout en présence d'autres catcheurs tels que Sheamus ou Big Show. Dolph Ziggler, pas tellement. Quoique j'aime bien son finisher, le zigzag. Assez rapide, assez violent, assez efficace. Ouais, effectivement, j'aime bien son... Des fois, j'aime bien le contrôler quand même. Et nous avons Sheamus qui a déjà apporté une table sur le ring. Les choses vont être intéressantes, surtout avec Monsieur le Big Show. Allez, une petite prise tous les deux. Toi et moi. Double Backbreaker. Ça partait comme un chokeslam, donc je pensais que nous allions faire un chokeslam. Un chokeslam, ouais.
On articule. Allez, Dolph Ziggler. Ouh là, le side slam qui a fait atterrir la tête de Sheamus contre le coin de la table. Posé à terre. Et il veut pas se prendre des prises, hein, Big Show. Allez, le Russian Leg Sweep. Projection violente contre le coin pour Sheamus. Et le dropkick. Ouh, joli powerbomb, monsieur Big Show. Joli powerbomb. Magnifique. Hop, désolé, monsieur Big Show. Je ne voulais pas vous faire cela. Allez, viens, Sheamus. Oh oui, bonne idée, Sheamus. Good idea. Monsieur Irlandais. Et voilà, le back suplex pour casser la table. Table qui venait à l'instant. Oups, là, le petit morceau qui a volé. Là, attention, la Senton Bomb qui finit dans le vide. En tout cas, pas de victime à toucher. Non, il n'y a pas de plongeon à l'extérieur du ring pour Monsieur Del Rio. Je dis effectivement Monsieur Del Rio. Oh, joli one-handed bulldog, Monsieur Ziggler. Pourquoi je les appelle Monsieur? Ce sont mes adversaires. Bon, ce sera Monsieur Del Rio, et puis Ziggler, Big Show et Sheamus, quoi. Hein? Ou alors on leur donne des surnoms pour se moquer d'eux, quoi. Genre, lui, attends, comment je pourrais te surnommer, toi, Monsieur Ziggler? Dolphy le Dauphin. Ça fait pas peur, un dauphin, donc il n'est pas redoutable. Hop là, le Enziguri dans ta face. Attention, moi, si je vais te faire une prise... Voilà, par derrière... Oh, back suplex. Oh, oh bah les tables, voilà, qui tombent aussi, bah, même beaucoup plus vite qu'elles n'ont été mises en place. Attention, il y a du monde à l'extérieur du ring et du monde qui m'en veut, visiblement. Attention. Oh, Sheamus a l'air d'aimer utiliser les tables comme arme. Attention, petite souplesse peut-être. Ah non. On peut faire une petite souplesse sur Ziggler en mettant de l'échelle. Attention, il y a Monsieur Sheamus là, Monsieur... Et Sheamus qui casse une deuxième table, mais en atterrissant dessus les deux pieds là, comme ça, il y a une table, je m'en fous, j'y vais quand même. Ah bah il se laisse pas faire. Hein. Attends, il y a une table. Bah je m'en fous, je saute quand même, je saute quand même. Attention Monsieur Big Show. Et, ah faut que j'arrête avec les monsieur, ça m'énerve moi-même quoi. Attention. Ouf. Voilà, le commentaire intelligent. Ouf. Le commentaire le plus construit sur Terre. Ouf, projection du Big Show qui tombe lourdement à l'extérieur du ring. Attention, Sheamus va mener une table sur le ring, une deuxième. Non, attention, Ziggler. Ah, petit fail. Décidément, hein, c'est la vidéo des petits fails. Les petits fails. Oh, diving double axe handle sur Sheamus. Ziggler, tu commences à me gaver. Quel beau... Attention, attention, projection. Contre la table des commentateurs... Attention, attention. Be careful, be careful. Attention, Ziggler qui va tenter sa chance. Eh bien non, DDT. Through the table. Eh ouais, un petit replay quoi. Bon, je pense qu'on va le laisser par terre pendant un petit moment. Voilà. Alors que Sheamus... Purée, Sheamus il est... Bon, non mais ça va, il se relève tout de suite quoi le mec. German suplex, Deutsche Qualität. Allez, on est sur le Big Show. On est derrière lui. Et Sheamus qui, encore une fois, ou le STO, encore une fois, s'applique à installer des tables. Hop là, le dropkick dans le dos de la part de Dolph Ziggler. Encore le German suplex, Deutsche Qualität. Là, ça me manque un petit peu l'allemand. J'ai arrêté d'étudier l'allemand parce que, bon, étant en première année d'informatique, je n'étudie qu'une langue, l'anglais. Donc étudier l'allemand de la 4e jusqu'à la terminale. Dommage. En fait j'ai arrêté parce que je progressais énormément en anglais. Mais par contre en allemand bah je progressais pas tellement parce que justement je mettais le paquet sur l'anglais. Enfin bref, c'était la petite parenthèse, je raconte ma vie. Attention Sheamus. Back suplex. Allez, on va travailler un petit peu sur le ring. Tandis que Ziggler et Big Show sont revenus. Ils nous amènent au sol. Et le Big Show qui enchaîne en tapant le genou contre le sol, contre le tapis du ring. Qu'est-ce que tu crois, toi? Attention.
Ziggler, German suplex encore. Attention, je contre. Et boum, moi j'attaque le bras, je suis comme ça moi. Ouh, Ziggler, il est pas très bien là. Voilà, moi j'attaque le bras. Senton Bomb. Oh, encore manqué. Attention Ziggler, voilà qui se passe la main dans les cheveux. Oh, attention à la nuque. Allez, il n'y a pas encore d'échelle sur le ring. Enfin, il y en a eu. Mais elles sont vite parties. Purée, les tables, elles tiennent pas en place. Hein. Allez, le coup d'échelle sur Sheamus Irlandais. Le coup d'échelle sur Big Show, le géant. Et viens là, mon petit. Oh oui, mon petit Dolph. Oh oui, mon petit Dolph. Et superplex from the top of the ladder. Oh yeah. Oh yeah. Hop là, le backbreaker. Attention, et je monte sur l'échelle. Attention, attention. La bataille au sommet de l'échelle. Del Rio, Big Show. Avantage Big Show pour l'instant. Que va-t-il faire? Rien pour l'instant. Il descend. C'est intéressant. Non, attendez, je remonte. Je voulais faire un truc. Ouais, maintenant que tout le monde est debout, ça sert plus à rien. C'est dangereux ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Que fais-je? Que fais-je? Je me jette. Oh, oh, ça a touché. Ça a quand même touché. Le diving double axe handle du haut de l'échelle. Allez, je te tortille le bras. Et Sheamus qui s'applique vraiment là à mettre les tables et à les défaire. Ouais. Joe Breaker. Bon. Il n'a pas l'air très doué, Sheamus. Hein. Attention. Atomic Drop sur Sheamus. Oh, on l'a poussé dans le coin. Je sais même pas comment j'ai fait. J'ai maintenu A enfoncé. Donc normalement, j'aurais dû sortir une prise. Mais non, je l'ai projeté dans le coin. Mais c'était assez sympathique quand même. Hein. Animation fort sympathique. Attention, Sheamus. Le Enziguri un peu manqué. Voilà, le Big Boot pour t'envoyer à l'extérieur du ring. Alors que nous avons... Waouh, Dolph Ziggler qui a fait cette magnifique prise là en serrant le cou là du Big Show. Ah, le dropkick dans le dos encore une fois. Petit coquin va. Ah, il a fait des dégâts le Superplex. Hein, il a fait des dégâts. Attention, hop, là on l'a soulevé pour... Oh, le Gutbuster. Attends Sheamus, je vais t'aider, je sais ce que tu veux faire. Et c'est une excellente idée. Ah, par contre, il y a l'escalier qui va me gêner. Oh, attention Ziggler, qu'est-ce que t'allais faire? Oh, oh, German suplex là avec beaucoup. Purée, mais c'est quoi ces tables là? Beaucoup de portée, hein, le German suplex. Attention, moi je veux Ziggler. Attention Ziggler, qu'allait-il faire? Qu'allait-il faire? Ziggler, German suplex, Deutsche Qualität. Et le running Enziguri. Alors je sais pas si on dit running Enziguri, mais en tout cas j'ai dû courir pour le faire, donc ne m'en voulez pas si j'ai dit running Enziguri qu'il fallait pas. Voilà. En tout cas, non, parce que même Del Rio, en vrai, il court quoi pour le faire. Il prend son élan. Attention à l'échelle. D'accord, merci, c'est gentil, monsieur. Non, pas de monsieur. Attention, attention. Mais qu'est-ce qu'il a, Sheamus, avec les tables? Hop là, là, cette fois, ce sont les pieds qui ont touché la tête du Big Show, mais en tout cas, ça a fait son effet. Attention, Ziggler va monter avec... attention, le STO du Big Show. Et c'est le Big Show qui monte. C'est le Big Show qui monte. Et Ziggler va monter aussi. Monte, Ziggler, monte. Oh, oh, mais c'est pas possible qu'elle en pété, ce mec. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai avec les matchs d'échelle, moi? Ah, je voulais sortir mon Cross Arm Breaker, quoi. Mince. Bon, décidément, les matchs d'échelle ne m'auront pas souri dans ce show. Voilà, je me remémore le triste match entre AJ et Natalia, où je contrôlais donc AJ et Natalia jouer les rabat-joie en décrochant la mallette. Donc oui, il faut faire attention maintenant parce que la mallette, on la décroche assez vite, même
très très vite. Bah, comme en vrai, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu absurde de devoir la tenir pendant longtemps avant de pouvoir la décrocher. Mais bon, pour un jeu en même temps, ça fait durer un peu plus le plaisir, quoi. Mais bon, je suis un petit peu déçu là. Ça m'a vraiment pas réussi du tout les matchs d'échelle. Bon, petite déception. Allez, pour se consoler, on va avoir donc ce dernier match entre CM Punk et Ryback pour clôturer ce fameux show Over 1000, qui est donc destiné, je le rappelle, à célébrer le passage des 1000 abonnés que nous avons donc atteint et dépassé, je crois, fin novembre 2012. J'ai failli dire 2011. Je sais pas pourquoi. Nous sommes en 2013, l'année dernière, c'était donc 2012. 2013 moins 1 égale 2012. Waouh, je suis un pro des maths. Enfin, bref. The following contest is a Hell in a Cell match. Introducing first from Chicago, Illinois. CM Punk. Oui, je ne dis pas les poids puisque je ne les connais pas par cœur. J'aurais peut-être dû les réviser, mais bon, comme là c'est le soir, vendredi soir, ben voilà, j'ai pas pris le temps de réviser les poids. En même temps, c'est pas vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir des matchs qu'on s'amuse. Et donc, pour l'instant, bah, j'ai pas été trop déçu, mis à part par rapport à ma défaite pour le TLC. Tant que j'y pense, les votes pour ce match, j'avais donc proposé « Ouais, vas-y CM Punk, ouais, best in the world !» J'avais donc proposé trois stipulations là aussi. Et c'est la stipulation Hell in a Cell, donc, qui l'a emporté avec 63% des votes, contre 25% pour le Last Man Standing et 12% pour la soumission. Oh my god. He's coming. Feed me more. Ladies and gentlemen. Right back. Oh, qu'il est pas content. Il a faim, il a faim, il a faim. Il est toujours affamé. Donc en tout cas, j'espère que ce show, pour l'instant, jusque maintenant, vous aura plu. J'espère que ce dernier match sera donc à la hauteur de ce que nous attendons de lui, puisque c'est un gros match, c'est le dernier match, CM Punk contre Ryback. C'est une rivalité que nous avons eue il y a peu. Bon, maintenant, CM Punk n'est plus le champion de la WWE. Alors, qui choisir? Quelle torture! J'adore CM Punk, mais j'adore Ryback aussi. Même problème que pour Cena et Randy Orton. Sauf que là, j'ai encore un doute. J'ai un doute encore plus gros. Alors, on va les laisser se combattre. Enfin, se battre, pardon. Un petit peu avant de prendre une décision. Cruel dilemme. Ah là là. CM Punk, Ryback, Ryback, CM Punk. Ah, mon Dieu! Bon allez, je ferai d'autres matchs avec Ryback, c'est promis, pour une prochaine fois, voilà. J'ai donc pris CM Punk, the best in the world, former WWE champion, et greatest fail of the night. Le plus beau fail de la vidéo est attribué à CM Punk, félicitations. Attention, le high kick sur ta tête et le crossbody qui est contré par le following slam de Ryback qui montre ici toute sa puissance. Attention, attention. Ryback, attention, qui est passé dans notre dos. Prudence, prudence, CM Punk, le coup de genou. Attention, Ryback qui nous a mis dans les cordes et il nous ramène avec violence. La puissance de Ryback face à l'agilité et à la technique de CM Punk. Un match passionnant. Brought to you by Rake FBC. But call me Kev. You can. This is so cool. This is a cool nickname. Et on est encore contré. Ah là là, par un power slam. Il a faim et pour l'instant, eh bien, je dois dire qu'il me dévore un petit peu avec notamment ce petit spinebuster. Tout petit, hein, c'est que un spinebuster de Ryback. Hein. Mais voilà, un petit spinebuster de Ryback, ça fait quand même très mal parce que justement, c'est Ryback. Attention, le neckbreaker avec Ryback en appui sur la troisième corde. Bah, allez, tiens, puisqu'on parle de troisième corde.
On va s'amuser un petit peu, on va l'amener dans le coin, on va le monter. Enfin, le monter, enfin, le mettre sur la troisième corde, je veux dire. On ne peut pas non plus le monter physiquement, enfin, je veux dire. Et le reverse suplex. Rapide, efficace. Neckbreaker, voilà, on est rapide, efficace. Et on attaque le bras de Ryback. On va attaquer quelques parties du corps comme ça, on va alterner. Attention, belly to belly suplex. Encore une fois, qui montre la puissance de Ryback. Olé, je t'ai esquivé, mec. Le Hurricane Runner de CM Punk. On prend appui sur les cordes. Et le crossbody. Oh, on est allé un petit peu plus loin, on n'est pas resté sur Ryback. Assez joli, c'était assez joli. Enziguri dans ta face, mec. On attaque le bras. Attention. Oh mince, la descente de la jambe qui a bien été plutôt malchanceuse. La prise de soumission de Ryback. Oh, qui veut nous faire souffrir. Hein. Hop, et le neck breaker. Façon CM Punk. Oh yeah. Ah, je voulais le projeter à l'extérieur du ring, mais pour l'instant ça ne pourra pas se faire. Attention. Oula, on est sur la troisième corde. Attention à Ryback. Parfait. Et je me jette pour... Oh, encore contré par le Power Slam. Mon dieu, mais ce Ryback est au taquet. Attention, et hop là. Je prends plus sur les cordes pour la corde à linge. Ouais, mec. Slingshot Clothesline. Brother. Projection dans l'autre coin. C'est vraiment pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Projection de nouveau dans ce coin-ci. On le balade là, Ryback. On le balade. Voilà, les deux genoux. Et qu'est-ce que je fais? Je te relève. Et qu'est-ce que je fais? Je te frappe. Je te frappe. Et qu'est-ce que je fais? Voilà, le high knee. Et boum, le running bulldog. Allez, la claque. Le coup de coude. Le coup d'avant-bras plus précisément. Attention, on est projeté dans les cordes. Oh, attention, on va contrer par un petit tombé. Et de 1, et de 1. Rassurez-vous, j'allais annuler le tombé après 2. Attention. Boum! Le coup d'épaule. Il cogne contre la cage. Et le crossbody. Les attaques aériennes ont du mal à passer avec Ryback. Hein. Décidément, il est vraiment très vif. Très concentré. Et oui, c'est un main event quand même. Oh, j'adore ce coup-là. Oh, magnifique corde à linge. J'adore cette prise. C'est un des coups spéciaux. Oh mon dieu, quelle horreur. J'ai failli faire une horreur de français. C'est même pas une erreur, c'est une horreur de français. C'est un des coups spéciaux de CM Punk. Donc cette fameuse corde à linge là, en tortillant le bras un petit peu là. Cette fameuse corde à linge, c'est un coup spécial. Un des coups spéciaux de CM Punk dans le jeu All Stars. Qui est magnifique. D'ailleurs, faudra que je refasse quelques vidéos avec. Attention, le moment. Oh my god. Et voilà la souplesse pour passer à l'extérieur de la cellule. Et nous allons monter, mon cher Ryback. Bon, c'est vrai qu'on a tendance vraiment très souvent à monter sur le toit de la cage, sur le toit de la cellule, pour les Hell in a Cell. C'est vrai que ça devient... Même moi, je commence limite à me dire, voilà, c'est pas un peu beaucoup, quoi. Tu fais ça à chaque fois, tu pourrais faire des matchs où tu le fais pas forcément, quoi. Mais bon, voilà, on peut pas s'empêcher de le faire. C'est grandiose. Oh, mon Dieu. Sidewalk Slam. Il a une liste de coups de malade sous Ryback. De malade. Attention, Ryback qui titube. Oh, c'est pas un mot qu'on dit tous les jours, ça. Titubé. Oh, il saigne. Un petit coup de genou tout simple. Hop, la petite baffe qui n'est pas passée. Attention. Oh, le coup de pierre tourné qui n'est pas passé. Il a tenté une soumission à notre cher Ryback. Attention. On a saisi Ryback. On le soulève. Oh, joli. Si je ne me trompe pas, c'est un brainbuster. Attention, il nous soulève, enfin il nous relève. On se bat sur le haut de la cellule. Au sommet. Oh, et du coup, là, les prises, ça fait un peu plus mal. On goûte l'acier. Hop, attention, oh, contré par le DDT, il allait faire un spinebuster, notre ami Ryback. Ah, j'adore ce coup-là aussi. Là, les coups d'épaule là sur le torse. Formidable.
Attention, le petit coup de pied là, dans le dos. Et CM Punk n'aime pas Ryback, il déteste Ryback, donc il veut faire souffrir Ryback. Ryback qui manque de tomber, on le retourne, et oh my god! From the top of the cell! J'ai du mal à crier parce que là je sens que ma gorge commence un petit peu à être douloureuse. Mais en tout cas, oh my god! Le replay! Oh mon dieu. CM Punk, the best in the world. Ouais, vas-y, de la petite provoque, quoi. Tranquille, t'as vu. Et on va se jeter sur Ryback. Wow! Oh, ce qu'il s'est pris sur la tronche. Là, ça fait mal. Hop, non, je voulais le... Voilà, le cogner contre la cage. Moi, je suis comme ça, je suis violent. Nouveau Brainbuster. Il fait pas trop le poids, là, notre ami Ryback. Hein. Je pense quand même que c'est effectivement en légende. On va vérifier quand même juste après, histoire d'être sûr, parce que j'ai... Bon, j'ai toujours des doutes, mais c'est vrai que, bah, à force d'être habitué à l'IA, on arrive quand même à saisir ce que l'IA s'apprête à faire, et donc, fatalement, je me demande si on peut faire quand même des moments OMG avec, avec les trois finishers dans le coin. Je ne sais pas, on va tester le coup, hein. À mon avis, on va avoir un coup spécial dans pas longtemps. Ryback est vraiment à la ramasse. Vraiment à la ramasse. Allez, vas-y. Fais une attaque en courant. Ah mince. C'était prévisible, mais j'ai pas réussi à contrer. C'est un peu idiot, ça. Allez, hop. On l'attrape. Prise façon butterfly et le backbreaker. Butterfly, quel doux mot pour un papillon. Il n'y a pas de... Eh non, on ne peut pas. Oh, je vais faire un truc. Enziguri qui est contré. Oh mon dieu, il a contré, je suis déçu. Et je t'attrape pour le GTS. Oh my god. Hein? Il n'y a pas une petite prise de soumission sympathique, genre... Ah non, c'est pas le Anakin Device. C'est le Camel Clutch. Allez, on va le faire souffrir là, Ryback. On va le faire souffrir. Ryback là, qui est à la peine là. Eh oui, il rampe vers les cordes, mais ça ne sert à rien. Je le fais souffrir, hein. Je tapote sur les quatre touches. Mais pas trop, histoire de le laisser un petit peu reprendre ses esprits. Et fatalement, il se dégage au bout d'un certain temps. Mais c'est voulu, c'est fait exprès. Oh, il tente de tomber. Oh le filou. Oh le malin. Non, mais Ryback. Ryback, c'est une grosse. Oh non. Il s'est aperçu de son erreur. Bon, dommage. Il se fera pas avoir deux fois. Quoique, il se prend quand même un GTS. Eh ouais, mesdames et messieurs. Go to sleep. Mais on va t'envoyer au lit avec l'Anaconda Vice. You're gonna tap, my friend. Oh yeah. Breaking point. Que nous avons atteint. Ryback a atteint son breaking point et tape sous l'emprise de l'Anaconda Vice. Here's your winner. The best in the world. CM Punk. Ouais, je commence un petit peu à avoir mal à la gorge à force de grogner la façon. Ouais. Faut que je fasse attention. S'il vous plaît, excusez-moi si j'ai toussé un petit peu fort dans le micro là. J'ai pas trop fait attention. Vous voyez m'en excuser. Voilà, CM Punk qui gagne ce dernier match de Over 1000. Et en même temps, je regarde l'enregistrement, c'est bien passé, aussi bien pour la vidéo que pour la voix, parce que j'avais pas l'œil dessus de toute la vidéo. Là, c'est un petit peu normal, j'étais un petit peu captivé, quoi. Bon. Eh bien, mes amis, c'est donc la fin de ce show spécial Over 1000, qui était donc dédié... Ouais, c'était bien difficulté légende. Ok, j'ai la conscience tranquille. Donc c'est donc la fin de ce fameux show spécial Over 1000. Encore une fois, merci d'être là, vous êtes un peu plus de 1300 maintenant. Et donc j'espère qu'on passera de bons moments encore. En tout cas, j'espère déjà que vous avez passé de bons moments avec ce show Over 1000.
que vous passerez et que l'on passera ensemble de bons moments sur WWE 13. J'ai hâte, je le répète, je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, mais j'ai hâte de commencer mon scénario sur WWE 13, qui sera par conséquent consacré à une superstar, à savoir CM Punk. Mais il faut, avant que je termine le scénario sur WWE 12, je vais m'y affairer. Bon, vous savez que mes études, j'ai pas forcément toujours le temps, j'ai que les week-ends pour faire mes vidéos et préparer des trucs sur Xbox, donc c'est un peu court finalement. Des fois j'ai pas toujours le temps de le faire, sachant qu'il faut que j'enregistre des vidéos pour la semaine. Donc voilà, donc d'ailleurs je préfère prévenir, il est possible parfois que je ralentisse un petit peu le rythme à cause de ça. Donc voilà, c'est la fin de ce fameux show spécial Over 1000. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé de bons moments, j'espère que les matchs de tout le show et que les matchs de cette quatrième et dernière partie vous auront plu. Encore merci et passez une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur WWE 13. Salut !